toi. On acclame le roi des rois et on se tient debout, on acclame Jésus. Alléluia. 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 Le ministre qui va passer ici, là, on va se tenir debout pour l'acclamer. Mais le roi des rois dit on acclame et puis on est assis. On acclame Jésus. Alléluia. On brille sur la terre. On acclame le tout puissant. Alléluia. Celui qui règne dans le ciel. Il est le Seigneur. Il règne sur la terre. Même sur la terre. Alléluia. Nous l'acclamons Dieu tout puissant. Alléluia. Nous l'acclamons un Dieu qui est capable de tout. Alléluia. Donc on doit l'acclamer, il faut qu'on l'acclame avec, je sais pas, avec ardeur, avec joie, avec tout ce que vous voulez. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Vous voulez chanter un petit chant, c'est pas ce qu'elle chante ici. Notre nouvelle patrie. Vous connaissez? Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume. Si vous ne le connaissez pas, je vais chanter, même si il y a une voix de crapaud. Alléluia. Amen. Voilà. Pendant qu'il chante, tu vas, chaque fois, quand il y a des hommes de Dieu qui sont ici, c'est vrai dans la prédication, vous devez être suspendu aux lèvres de l'homme qui est là pour écouter la voix de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Donc nous allons pouvoir chanter ce chant. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. 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 Dans les cieux, dans les cieux. Ma patrie, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, dans ma nouvelle patrie. Dans les cieux, dans les cieux. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, dans ma nouvelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, la Bible dit que nous sommes des pèlerins, nous sommes des passages sur cette terre. Dieu a fait un plan merveilleux pour que nous habituions avec lui dans les cieux. C'est pas merveilleux ça? Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, pour aller là-bas, c'est ici qu'il faut se préparer. C'est ici qu'il faut s'apprêter. Pour aller habiter la demeure que Dieu te donne, que Dieu me donne, que Dieu nous donne, il faut construire sauf ton mari dans la sérénité. Parce que là-bas, là, il n'y a pas quelqu'un qui va s'habiller avec un habit qui porte des odeurs de péché, un habit qui porte des odeurs, des habits qui ne sont pas des habits de fête. Alléluia. Donc nous devons chercher les voies et moyens. Nous devons construire, nous devons bâtir. Nous devons constamment, comme Dieu en a entendu, nous plonger dans le fleuve de feu. Parce que là où il y a le feu là est consumé. Et le feu de Dieu, le feu de Saint-Esprit consume que ce qui n'est pas de Dieu en nous. Alléluia. Ce qui n'est pas de Dieu dans nos pensées, ce qui n'est pas de Dieu dans nos paroles, ce qui n'est pas de Dieu dans notre manière d'être, dans notre manière de marcher. Alléluia. Quand Dieu te voit comme ça, tu mérites la villa. Ou bien, comme on appelle villa là ici, sinon on a fait une villa. Pavillon. Pavillon que Dieu a préparé pour toi. Tu vas aller habiter. Mais tu ne peux pas aller dans ce pavillon avec un habit. Toi, qu'est-ce que tu as fait ici? Tu as couvert debout. Alléluia. Bout de péché. Et dans ce chant que je venais de chanter là, ça donne une image d'un but atteint. Tout ce que nous faisons ici là, vous deux mois, on est réunis ici là, c'est par rapport à quoi? Pour un but. Être un jour avec Christ. Toi, tu as vu Jésus physiquement quand vous me voyez là. Moi, je n'ai pas vu. Toi, tu n'as pas vu. Mais la Bible dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Alléluia. Alléluia. Et ce jour-là, si tu t'es. On a dit ici. Par rapport à Jean. À cause de ce but-là. Lui qui était destiné à être un lévite, tout et tout, il a préféré aller dans le désert. Manger des choses. En temps normal, il ne peut pas manger. Mais pour pouvoir. Alléluia. Ne soyez pas distrait. Alléluia.
soit béni. Et ceci donne une idée de course. L'introduction que je voulais envoyer, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. Si quelqu'un a trouvé, il peut se tenir debout dans la présence de Dieu, le lire de façon courante et expressive. Ma fille, il faut te tenir debout, prendre le téléphone et lire le passage, prendre la Bible et lire 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. Ça, c'est l'introduction. Amen. Continue. Je cours donc, non à l'aventure, je frappe non pas à l'air, pas en l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Alléluia. Vas-y. Ça finit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Même Dieu, vous êtes là. Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Ici, le passage que ma fille vient de lire parle de la course. Et dit, ne savons pas que tout ce qui court dans le stade touche pour un but. Pour avoir une couronne corruptible. Mais lui, il nous invite à courir pour avoir une couronne incorruptible. Ici, nous savons tout ce que c'est que la course. Parce que j'ai médité ça à la maison, pas aujourd'hui, mais hier, avant-hier, tout le temps. Et hier, on était là, l'homme de Dieu a parlé de la course relais. Course relais, c'est pas ça? Tu cours, tu as un bâton là, tu dois le mettre à quelqu'un qui est là, lui aussi à son tour, tu cours. Mais ici, la vie chrétienne, ma soeur, mon frère, tu es un athlète spirituel. Nous sommes engagés dans une course spirituelle. Alléluia. Et celui qui a engagé cette course-là, c'est le président Jésus-Christ. Alléluia. C'est le président Jésus-Christ. Et le sponsor par excellence, c'est le Saint-Esprit. Je prends ces images-là pour qu'on puisse comprendre. Il y a la course de fond, course cycliste, course de quoi? Même au football, il y a course. On court par-ci, par-là. Course automobile, course de bateau. On vient de voir même course de bateau. Les gens ont fait une semaine pour aller jusqu'à Guadeloupe. Alléluia. La course chrétienne. Ce n'est pas une prédication, mais c'est une introduction. Et quand on forme une équipe, quand elle présente une équipe, quand le coach, l'entraîneur, il peut avoir beaucoup de joueurs. Il t'a choisi. Alléluia. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Ce n'est pas par hasard, mon frère, ma soeur, que tu es là. Parce que dans cette course-là, ce n'est pas n'importe quel joueur qu'on a amené là qui peut faire partie de 11 qui vont évoluer sur le terrain. Une sélection. Dieu t'a sélectionné, papa. Dieu m'a sélectionné. Dieu t'a sélectionné. Dieu nous a sélectionné. Dieu nous a choisi. Et nous a élu, même il le dit dans sa parole. Maintenant, si toi, tu as été sélectionné, que tu es prévu, tu dois jouer le match important. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois honorer celui qui t'a choisi. Honorer Jésus, honorer le Saint-Esprit, honorer même au-delà le peuple de Dieu qui forme ici l'équipe ou bien la ville. Alors, l'équipe de Montpellier, quand l'équipe de Montpellier va jouer au football, que l'équipe a remporté, il y a une joie à Montpellier ici. Alléluia. L'équipe d'ici là, voilà le coach, c'est le papa Georges. Alléluia. Mais le coach des coachs là, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Mais comme cette question, on ne le voit pas. Eux, il a choisi un coach humain pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse l'écouter, pour qu'on puisse suivre ses conseils. Alléluia. Et si tu vis dans la sainteté, tout et tout, ton papa va voir. Papa, tu as dit quoi?
Ça, c'est mon fils en Dieu. Celle-là, c'est une chrétienne de mon église, de l'église où je sers Dieu. Tu es dans la joie, là. Dieu nous a engagés à une course. Notre joie de Dieu, vendredi, j'ai prêché cela le vendredi, le culte du vendredi. J'ai prêché ça. Et j'ai dit que dans cette course, il y a trois phases. La première phase, c'est-à-dire la phase avant la course. Et Paul, il arrive là et dit, tout chrétien qui veut qu'il court, qui veut remporter le prix, il doit s'abstenir. Mon frère, tu dois t'abstenir de quoi? Tu es engagé dans une course avec Jésus. De quoi tu dois t'abstenir? Péché, péché. Oui. Péché, c'est le grand chapeau. Les désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est le grand chapeau. Mais dans les détails, toi, tu connais. Qu'est-ce que tu fais dans toi? Qu'est-ce que le péché en toi? C'est ça. Parce qu'il ne faut pas dire j'ai péché. Non, mais Dieu l'a dit ici. Quand tu veux prier pour quelqu'un, pour la délivrance de quelqu'un là. Oui, j'ai péché. Dis, Seigneur, répète après moi, Seigneur, j'ai péché. Mais quel péché tu as commis là? C'est sûr, ça, il faut mettre le doigt. Qu'est-ce qui est ta faiblesse? Parce que tant que c'est ta faiblesse en toi, tu ne peux pas bien courir. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas bien courir. J'ai chanté à dessein ce chant-là. Rejetez-moi, méprisez-moi, regardez derrière cette femme. Elle aussi est chrétienne. Tu es engagé avec Dieu. Mais quelquefois, il ne faut pas croire que c'est l'homme qui te parle. Pas croire que c'est la femme qui te parle. Mais croire que c'est le Saint-Esprit. Pardon. C'est le diable qui passe par cette personne-là. Pour te, voilà, tout et tout, ils vont te dire, tout, ils vont te critiquer, te calmer, te rabaisser, pour te décourager. Celui qui fait tout ce cycliste-là, est-ce qu'il regarde à gauche à droite? S'il regarde à gauche à droite, il va rentrer dans les pneus des autres. Il va tomber. Celui qui fait tout 100 mètres par vitesse-là, il regarde à gauche, il va tomber. Est-ce que celui qui fait une course? Je lui dis, mais je ne sais pas. Tu dois courir 100 mètres par. Tu dois faire course 100 à fond, course de fond, course de relève, n'importe quelle course. Tu vas manger un foutu banane? Non! Tu vas manger tout ce qui est lourd? Non! Un athlète a un régime alimentaire différent. Toi, quel est ton régime alimentaire spirituel? Quand tu regardes ton langage, quand tu t'écoutes, quand tu regardes ta vie, quand tu te sens, quand tu entres toi-même. Alléluia! Dans cette course-là, il y a dit le sponsor, c'est le Saint-Esprit. Nous savons quand il y a des courses-là, on met publicité des grands sponsors. Sponsor BNP, sponsor ci, sponsor ça. C'est eux qui financent, ils déposent. Si tu dois avoir une voiture, c'est eux-mêmes qui mettent tout en place pour te donner. Même si c'est un bateau, ils vont déposer des millions. Le sponsor par les finances, c'est le Saint-Esprit. Quand tu es fatigué, tu cries à lui, il vient. Même quand tu es tombé, il vient, t'attrape par la main, te fait le relever. Et puis il te dit, continue. Alléluia. La course chrétienne. Toi, moi, nous tous qui sommes là, tous ceux qui ont cru en Jésus, véritablement, et qui veulent un jour voir la face de Christ en face à face comme ça, sont engagés dans une course. Et la course, ça se mérite. Alléluia. La phase d'avant, il faut se préparer. Il faut se préparer avant d'aller courir, il faut se préparer. Il faut se mettre au vert. Il faut une forme d'abstinence. Il faut aller même dans les salles de sport où il y a des machines pour que tu puisses avoir des muscles, des jambes légères. Vous voyez les Kenyans là. Pays montagneux de l'Afrique de l'Est. Très souvent, à travers le monde, quand il y a course de fond, c'est eux qui remportent. Donc vous voyez comment ils s'entraînent dans la région là-bas. La montagne de 8000 km en ou bien 8000 km de hauteur, bien 5000, tout et tout. Mais en bas, depuis le bas, avec force, pour aller jusqu'au sommet. C'est-à-dire ces jambes-là, ces muscles ici-là sont adaptés à monter en courant avec force. C'est court en montant, et puis il se donne un temps. C'est pas sur la terre, le plateau est là, va faire ça. C'est pour cela qu'il remporte toujours. Qu'est-ce que tu dois faire? L'homme de Dieu a répété, c'est la Bible qui le dit. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume de Sion est forcé. Qu'est-ce que tu dois faire pour te débarrasser? Force-toi pour te débarrasser du maçon, de la fausseté, des critiques, des calomnies, la convoitise, la vie mondaine. Christ vient bientôt. Quand il vient bientôt, quand il passe par ses serviteurs pour parler comme ça, il nous avertit. Il nous prépare ainsi. Il est à la porte. Il dit, quand vous allez voir tout ça, c'est qu'il est sur la porte. Est-ce que tu vas remporter la paix, la couronne incorruptible? Jean, tu es sûr de toi?
que si je crie la trompette sonne maintenant, papa, maman, pour moi, tu vas te jeter dans la vallée. Ah. C'est sûr. Ah. Hein? Oui. Papa, t'es sûr, n'est-ce pas? Maman, t'es sûr. C'est des questions que chacun doit se poser. Chacun doit se poser dans sa marche avec lui, quelle que soit la personne, pasteur, prophète, docteur, quoi, quoi. Mais, Paul dit, j'étais durement mon corps, afin que, après avoir prêché aux autres, il soit rejeté. Tu as été chrétien, depuis l'Afrique, depuis Paris comme moi, et puis jusqu'ici. Et puis Jésus-Christ, je lui ai dit, moi, je ne t'ai jamais connu. C'est une question, hein. Il dit, moi, Jésus. Il dit, non, mais j'ai prié à ton nom. Il te regarde, moi. Je ne t'ai jamais connu. C'est difficile. Et ce que je suis en train de dire, ce que la Bible dit là, c'est une réalité. Parce que quand Jésus-Christ va venir là, on va le voir. La Bible dit, la même manière, on l'a vu monter comme ça, en chair en os. On va le voir venir comme ça. Tout le quelqu'un de là-bas, si c'est lui qui a dit, hé, il a marché là. Il faut que je parle, il faut que je fasse un effort pour que je parte. Alléluia. Il faut qu'on fasse des efforts pour qu'on se retrouve là-bas. Mais on a prêché, on a éprouvé les mains, on a éprouvé les fesses, on a éprouvé les talons. Tout, Dieu s'est manifesté. Maintenant, après, non, la tempête sonne et puis Victor est là. Ah, donc il était avec nous aussi. Alléluia. Il ne faut pas que les uns les autres se tombent de cette manière. Croyez que ce que je dis, peut-être ça fait rire. Mais il faut entrer en toi-même. Il faut entrer en toi-même. Qu'est-ce qu'il y a de voir qui peut t'empêcher de voir Christ et te jeter dans ses bras? Que le nom de Dieu soit béni. Une introduction. Il faut laisser ça, ma fille. Oh, après tu vas faire ça. D'accord? Il faut laisser. Parti. Alléluia.